Et bonjour tout le monde, c'est Eddy. On se retrouve aujourd'hui pour Planet Crafter. Enfin, je voulais jouer toute la semaine, mais j'ai pas pu. Oh, j'en ai marre. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, vu qu'on a pas de quête, je pense qu'il faut... faire l'écran de transmission. Il faut deux silicium et un machin. Mais on va faire un autre bureau. Hop, à côté, que je vais mettre là. Pour poser justement le prochain écran. Et donc le prochain écran. De silicium à magnésium. On va chercher ça. Donc vous m'avez donné des idées comme construire des coffres à chaque fois que je vais dans un. C'est un magnésium ça déjà? Oui. À chaque fois que je vais dans un de mes petits box pour récupérer de l'oxygène, vous avez raison. On va faire des petits coffres à chaque fois. Comme ça, je pose tout ce que j'ai récolté, puis je pourrai par la suite les récupérer si besoin. Est-ce que j'ai de l'eau? Ok. Il me faudrait du silicium parce que je viens de voir que je me suis pas vidé avant de partir. C'est dramatique. Il faut du silicium. C'est moi où les couleurs ont changé. Je voyais le silicium plus couleur noire fer. Ah mais non, c'est peut-être parce qu'il y a le ciel bleu. Oh. C'est cool ça. Je me disais, j'étais pas plein. Ah, il faut que je construise les autres trucs pour la transmission et tout, je pense. Oui. Franchement, c'est trop trop cool. J'adore voir l'évolution, en fait. Du changement créé à cause de moi ou par moi. Je trouve ça génial. Alors, créons donc ce plan. Écran de transmission qu'on va mettre ici. Aucune antenne de télécommunication à portée. Donc, antenne de télécommunication, on a une balise, on a une antenne. Il nous faut un titane. Un titane. Titane, ça doit être par là plutôt. Ok, il y en a plus. Vous voyez, c'est comme ça que je regrette de ne pas faire de live, parce que j'aimerais tellement pouvoir jouer avec vous sur Twitch ou sur même sur YouTube. Mais je peux pas. Because je serais gêné tout le temps, quoi. Ça se voit pas, mais je vais vous donner une petite technique que je fais, en fait. Peut-être que vous voyez pas. Quand je fais une coupure... Et des fois, quand ça se voit trop, je m'excuse en disant que j'avais besoin d'être coupé, etc., etc. Mais, oh ouais, c'est joli, ça. Mais généralement, en fait, quand je, par exemple, je dois faire une coupure, là, ce que je vais faire, c'est, par exemple, je vais faire ça. Et là, vous voyez, je suis sur un truc qui est fixe, et là, je coupe. Et puis, je reprends après. Et comme ça, les gens ne voient pas. Et je coupe beaucoup, hélas, parce que j'ai beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Mais bientôt, avec un peu de chance, ce sera tout réglé. Et on pourra commencer les lives. Mais quand... Je prie pour que ça soit assez vite. Mais c'est pas moi qui gère. Oh oh! Ça aussi, ça tombe du ciel. Ça me va amplement. Ça me va amplement. Je vais garder le reste.
Y a pas la petite aluminium là qui traîne par hasard? Non, bon. On ira la chercher après. Donc on va commencer par la balise. Oula. Alors je vais juste récupérer mon oxygène. Je mets un truc en haut ou pas? Je sais plus si j'ai mis un truc en haut ou pas. Ah oui, la nourriture et des casiers, ok. Oui, il faut que je transvase les casiers du coup. Enfin, les boîtes en bas. Du coup, alors la balise. Je présume que la balise, on doit la mettre à l'extérieur. On a la balise, vous aide à trouver votre chemin. On s'en fiche, reçoit les transmissions depuis l'espace à utiliser. Donc on va la mettre dehors, je présume. Est-ce que je peux la mettre sur le toit? Ah ouais, ça fait trop classe. J'adore. Ceci est un message automatisé. Je veux que votre sentence soit commuée. Je connaissais pas ce mot. En extradition, si vous voulez que toutes les charges retenues contre vous soient levées, vous allez devoir entièrement terraformer cette planète. Nos capteurs analyseront périodiquement l'avancée des travaux et nous vous enverrons les plans requis. N'essayez en aucun cas de contacter Sentinel Corp. Si nos capteurs ne détectent aucune avancée dans le processus de terraformation, vous serez porté manquant. Mais les charges qui pèsent sur vous ne seront pas abandonnées. Vous n'êtes propriétaire de rien sur cette planète et vous ne pouvez donc pas vendre quoi que ce soit. Vous n'êtes autorisé à utiliser les ressources trouvées sur la planète que pour augmenter l'indice de terraformation. Vous n'êtes pas autorisé à quitter cette planète tant que la terraformation n'est pas terminée. Ok. Journal de bord. Ok. 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 Mais je dois faire quoi? Je sais pas moi ce que je dois faire. Je vais bien terraformer encore et encore, mais... voilà, je vais mettre le fer, tiens. Je vais mettre le magnésium. Je vais mettre le titane. Avec deux N ou un N, titane? Un N. Alors là, je suis un peu paumé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire d'autre ou pas? Production 162, ok. Là, faut permettre de créer un des nouveaux. Ok. Comment je fais l'établi avancé? Un magnésium et trois aluminium. What? Mais vraie question, j'ai pas de quête? J'ai rien? Faut que je fasse quoi? Ça je l'ai. 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 C'est quoi ça? Oula! Nouveau message reçu. Riley. Salut, j'ai finalement réussi à localiser le système dans lequel il t'a envoyé. Je n'ai pas pris beaucoup de temps, mais je vais essayer de te donner quelques conseils.
Le très faible taux de réussite de Planet Crafter est au fait que cette tâche presque est impossible. Tu devrais pouvoir trouver des rations de nourriture dans ta capsule et peut-être aussi dans tes épaves spatiales. Tu pourras faire pousser de la nourriture par toi-même et si tu remplis les conditions requises, essaie donc de trouver des graines de légumes. L'exploration et les améliorations sont essentielles. Explore la planète, améliore ton équipement. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai déjà fait. Ok. On va continuer à explorer. On va faire voir ce qu'il y a. Oh, attendez, on va ajouter... On va mettre ça là-dedans. Ça là-dedans. Bah. Ah, punaise, les graines, elles sont toutes là. Ok. Cool. Peut-être prendre de la glace pour chercher à faire de l'eau, non? Je vais éviter de sauter. Nouveau plan extracteur de minerai. Ok. Ok. Fais voir, c'est quoi? Suivant son emplacement permet d'extraire une minerai du sol. Ouah, il faut des trucs que je connais même pas ce coup-ci. Bon, je vais peut-être faire ça aussi, puis faire ça. Ouais, non, ça, je sais même pas comment on fait. Ok. Trop de choses. Attendez, je vais prendre de la glace qu'il y a là. Et je vais me faire 3 petites bouteilles d'eau là-bas. C'est du cobalt pour faire l'oxygène. Peut-être en fer du coup. Silicium. Je vais en faire une petite bouteille. C'est juste au cas où. Hop là. On avait fini de visiter par là-bas ou pas? Je sais plus du tout, je pense pas. Hein. On va aller voir ça. Il y en a là du fini. Peut-être le titane qui en manque. Vas-y. Ouais, je vais mettre le Cili en attendant. Je reprendrai plus tard. Et là, on passe en haut orange, ok. Ok, bon. Ici on y était allé, c'est ça?
Ok. Je viens de découvrir que je pouvais marcher comme ça. Je ne savais absolument pas. On l'avait vu. Ah oui, attends. Faut que je démonte tout ça là. On a un autre là. Du coup, on va foncer, on va faire les deux panneaux solaires. Niveau 4. Enfin, niveau 2. Alors oui, ça fait beaucoup d'aller-retour, hein, je vous le conseille. Mais on n'a pas le choix. Et moi, un truc que j'aimerais savoir, c'est pourquoi là, c'est orange. Là, et là, c'est bleu. Hyper joli. Hein. Et je serais pas contre pour savoir si c'est normal que j'ai pas d'indication sur quoi faire à droite là, depuis que le ciel est bleu. Car là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais crafter pas mal de choses pour améliorer ma vie, mais s'il n'y a rien... Lol, il manque de l'alu. Peut-être faire de augmenter la chaleur. Deux iridium, un aluminium. Ouais, mais j'ai pas d'aluminium. On va chercher de l'aluminium. C'est quoi ça là-bas? Eh mais attendez! Ah non, il faut plus de chaleur, je pense. Parce qu'il y a la grotte de glace, et c'est pas... Enfin, c'est pas, comment dire... Elle a pas fondu? Il me faut vraiment de l'aluminium. Il y avait plein de titane. On va voir quand est-ce que le ciel passe au orange ici. Ah là, ça commence à devenir orange. Ok. Un nouveau message, super. Bon, on va le dire après, hein. Hop, on va prendre l'oxygène.
Donc là, c'est bon. On va aller là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un petit morceau d'aluminium qui traîne par hasard? Non. Je vais prendre ça, crâne de coche. Bon, j'en ai déjà pas mal, faudrait que je les fasse. Attends, il y avait que ça? Attendez, je vais prendre un fer. J'ai assez pour ça? Ouais. Ok. Y'a pas grand chose. Ouais. Il manque un titane pour faire une porte. Ça, on dirait des fonds marins, un truc rocheux et tout là. C'est assez étrange. Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Parfait ça. Ok. Ok. Entièrement. Ouais, on va faire ça. Ah, vas-y, on va laisser ça, on va prendre ça. Bon, là, le problème qui va se poser, c'est... Non, c'est bon. Vous savez, moi, le sens d'orientation, ça fait 50. Hein. Ça, je garde au cas où. Ok. Ah, du coup, il fallait peut-être que je monte. Peut-être que je pouvais monter et que le haut était ouvert. Je vais essayer, je suis pas trop loin d'un camp. Non, le haut n'est pas ouvert. Ok.
Mais au moins, on repart avec de l'aluminium. Et ça, c'est cool. Ouais. Ok. Allez. On va lire le message avant de construire quoi que ce soit. Ah, j'espère qu'après j'irai plus vite quand même, parce que... C'est long là. Alors, c'est quoi le message? Message de Centennial Corp. Aucune, nulle. La planète est située dans un secteur initial, une zone pré-civilisée, sillonnée principalement par des vaisseaux commerciaux qui voyagent entre des grands spatioports. Le secteur compte 842 planètes. La planète est comme une candidate pour une future colonisation. Quoi, tu m'as fait quoi, juste ça? Super! Super. C'est super. Du coup, on va construire des chauffages. Il faut un titane, un aluminium et deux iridium. Donc, attends, il faut quoi pour la... Un magnésium, 3... Oh, je vais faire l'établi avancé, c'est peut-être plus intéressant. Un magnésium, un titane... j'ai tout ça, normalement. Un magnésium, un titane et 3 aluminium. Et donc là, on va construire l'établi avancé. Ouais. On va mettre ça là. Ok. Et donc ça sert à quoi? Ah bah voilà. Alors, what? Oh là là. Jetpack. Moteur de fusée. Jetpack, moteur de... Deux moteurs de fusée, ok. Ouah, ça va être Tantax. Super alliage. What? Réservoir d'oxygène T4. Oh, je pourrais le faire, tiens. Et sac à dos. Oh, ça, je pourrais le faire aussi. Je fais quoi, sac à dos ou... Oh, je préfère sac à dos parce que comme ça, on va porter plus de trucs, non? C'est ça? Attends, sac à dos, c'est quoi? Augmente la taille de l'inventaire. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, il faudrait quoi? T4, 3 super alliages et un titane. Super alliage, j'en ai normalement 3. 1, 2, 3. Et peut-être qu'il me reste un titane en haut. Yes. Du coup, on va faire le T4. Ouais, nickel. Et ça, il faudrait 3 super alliages. Les super alliages, c'est cobalt, magnésium, titane, aluminium. Ok. Mais à la place, on va faire des... Ça. Il y a combien d'aluminium? 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. C'est combien? 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 chauffages. Ah ouais, peut-être pas 5. Je vais voir ce qu'il nous reste en énergie. Attends. 72% phase suivante, nuage. Ok. Chaleur, ok. En énergie, on a ça, et ça, ça en prend 3,5 kW. Donc ça ferait 15 en tout, donc 20. Il y a moyen, on va aller récolter du titane. Et de la glace. Et je pense que le chauffage va être dehors. Ça, s'il faut en mettre plusieurs. J'ai cru que c'était le chauffage pour chez nous, quoi. Pour être tranquille. Mais non. On va aller par là un petit peu. J'ai plus d'eau, donc je vais aller en faire vite fait là. Je récupère ça. Ok, nickel. Titane, titane, titane et fer. Je prends du fer au cas où aussi. Là-dedans ou pas? Non. Ah, c'était là-bas où j'étais. Et ce vaisseau, on l'avait visité. D'accord. Voilà. On avait tout fait. Oula, je vais vérifier quand même au cas où. Oh, voilà, à mon avis, on avait tout fait. On avait, Il y a une grotte là-bas. Oh, il y a un vaisseau. J'avais point vu. Un coffre. Il me faut du silly, je viens de penser. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va construire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois des pierres. Oula. Il n'y a pas de monstre là-dedans, rassurez-moi. Silicium. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est ça. Ok.
C'est de la glace, ça, on est d'accord. Je peux pas le prendre. Il y a de l'alu. Je suis choqué, il y a de l'alu. Je suis perdu. No joke. No joke, je suis vraiment perdu. Punaise, mais attendez. Il faut que j'essaie de retrouver la sortie. Je suis passé par en dessous là. Par en dessous là. Super. Je vais mourir. Je vais mourir. Ok. Restons zen. Il fait noir. Où est mon truc? Oui, je sais que le niveau d'oxygène est bas. Oh, il manque un fer. Par pitié, un fer. Oh punaise! Oh sa maman! Oh la vache! Oh la lolo! J'avais pas mis un truc au milieu là? Oh punaise! Oh me fais pas peur comme ça! Oh la vache! Je sais plus. Il est là. Oh punaise. Ok, au moins il y en aura deux à chaque sortie. Et donc, ok, là c'est de l'aluminium et l'iridium et tout ça. Donc c'est nickel. On va rentrer, on va crafter les. Les comment ça s'appelle? Le chauffage. Oh la peur! La peur, j'étais jamais mort encore, donc Enfin, je crois pas. Je suis jamais mort, les gars, si? Non, je sais plus. On va prendre du fer, parce que je crois que je vais avoir besoin de fer. J'ai pas le piton qui bat, là. Météorite? On va pas jouer avec le feu. Oh là 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 là. Du coup, j'ai de l'alu, mais là, je pourrais. Il faudrait quoi pour en faire un, là, par exemple? Bah, rien. Parfait. Donc, on va les mettre dehors. Je vais les mettre au-dessus. Genre là. C'est pas possible. Ok.
Là? Non. Bah où? Attends, c'est à l'intérieur que je peux le mettre du coup? Là non plus? Ok, donc c'est à l'intérieur? Ok. Ok, bon, on va faire ça à l'intérieur. On va en mettre quelques-uns là, quoi. Hop. Je vais enlever celui-là qu'il y a là. Plateforme de lancement. Ok. On va essayer de faire en sorte qu'ils utilisent le même tuyau. Ça. Tac. C'est rigolo. Ok. Tu peux en faire un autre ou pas? Ok, il me manque un silicium. Est-ce que j'en ai là-dedans ou pas? Non, j'ai de l'alu, ça c'est cool. Allons chercher du silicium. Il y a formation de nuages. Hein. Trop cool. J'adore. Silicium. Ça c'est du silicium je crois. Ok. Voilà, ça ira. Succès. On a fait des nuages! On a fait des nuages. Alors, what? Phase suivante, la pluie. Ok. Ok. Je vais enlever celui-là. Et on va en faire un autre. Pas mal la corche. Pas mal du tout. Je vais voir le... 165-182. Ok. Uranium. Je sais pas, hein. J'en ai que deux. Ok. Il nous faut 3. Magnésium. Ok. Je vais aller chercher du magnésium. Et je vais essayer de faire les super alliages. Prendre la glace en même temps.
Je trouve qu'on a quand même bien avancé. On a les nuages, on a le ciel bleu, on a les messages, on a les... Plein de... Comment ça s'appelle ? Plein de... Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ah oui. De chauffage. Donc je pense qu'on est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, donc pour ça, du coup, faut super alliage. Ok. Il manque un alu et un cobalt. Alu. Et un cobalt. J'en ai pas en haut. J'en ai pas là. Pas besoin. Pas besoin. Et du coup, on va pouvoir faire. Bah non, il faut un cobalt encore. Il était ça avant ? Oui. Attends, tac. Alors, cobalt, viens ici. Donc là, on va avoir de l'oxygène T4. T4. Ok. Oh, faut qu'on arrête. J'avais pas vu l'heure. Faut qu'on arrête. Réservoir d'oxygène, oxygène T4. 370, punaise. Ça c'est génial. Ok. Okidoki. Donc le prochaine étape, c'est l'appui. On est qu'à 5,44. Va falloir que je fasse ça du coup. Ça ? Ah, je peux en faire un ou deux, là. Je peux en faire une, au moins une. Aluminium. Cool. Je vais voir les decks où j'en suis. Ouais, va falloir en faire la prochaine fois. 6-20. Ouais, ça va. Ça avance doucement, mais sûrement. On fera mieux la prochaine fouille. Ok. À chaque fois, je suis bloqué, ça me saoule. Ok, ok. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser là. Oh, un nouveau message. On le lit. J'ai réussi à dégoter plus d'infos. D'après ce que j'ai lu, tes chances de réussite sont plus élevées si tu construis ta base en altitude. Mais je ne sais pas trop pourquoi pour l'instant. Et si tu parviens à faire les réchauffer suffisamment la planète, certaines grottes devraient devenir accessibles lors de la fonte des glaces. Ah, une dernière chose, tu devrais... Fin de communication. Ah bah super, bravo ce cliffhanger. Eh ben je devrais je ne sais pas quoi parce qu'on verra ça la prochaine fois. Nous, on se laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.